Aujourd'hui, je vous explique comment utiliser Firefly, la nouvelle IA d'Adobe intégrée à Photoshop, et son Generative Fill qui permet d'agrandir ou de modifier des images avec l'intelligence artificielle. D'abord, assurez-vous que vous êtes bien abonné à Photoshop. À l'heure où sort cette vidéo, l'IA n'est disponible que dans Photoshop Beta, une application à part qui permet de tester les futures fonctionnalités de Photoshop. Ouvrez donc l'application Creative Cloud, qui permet de gérer vos logiciels Adobe. En haut, cliquez sur Applications, et à gauche dans les catégories, sélectionnez Applications Beta. Et ici, vous pourrez installer Photoshop Beta, lancer le logiciel et créer un nouveau projet. Vous remarquerez rapidement cette nouvelle fenêtre flottante qui n'existait pas auparavant. Elle comporte plusieurs raccourcis utiles, comme un bouton pour sélectionner automatiquement le sujet ou pour supprimer l'arrière-plan en un clic. Ici, par exemple, je veux créer un décor autour de mon personnage. Je vais cliquer sur « Sélectionner le sujet », puis sur « Inverser la sélection » et enfin sur « Remplissage génératif ». Je peux maintenant décider d'écrire un prompt pour indiquer à Photoshop ce que je veux ou laisser cette case vide et le laisser déduire par lui-même ce qu'il devrait ajouter. Je clique sur « Générer » et au bout de quelques secondes, Photoshop me propose trois options. Je peux maintenant passer de l'une à l'autre avec cette flèche ou relancer autant de fois que je veux. L'image générée apparaîtra toujours dans un nouveau calque et au sein de la zone sélectionnée. N'hésitez pas à laisser un petit merci dans les commentaires si cette vidéo vous a aidé, ça fait toujours plaisir, à liker et à vous abonner. Si vous avez des questions, bien évidemment, vous pouvez me les poser. Je vous dis à très vite. Ciao !